Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agence.info. Budget 2016. Politique et terrorisme se partagent la une des quotidiens sénégalais parvenus ce matin à Ad News. Loi des finances. Le budget s'élève à 3 067 milliards, rappelle le Soleil, expliquant que 58% des ressources sont mobilisées sur fonds propres et qu'il y a 1 000 milliards d'investissements avec 6% de croissance annoncée. Selon le journal Wal Fadjiri, pour ce budget de 2016, Macky et John se taillent plus de 143 milliards. Assemblée nationale, Macky grossit de 8 milliards, note le journal Sud Quotidien. Le Populaire révèle dans ses colonnes que le budget de la primature triple et se passe de 20 à 61 milliards. Quoi qu'il en soit, Enquête écrit qu'Amadouba chante son budget. Poussant Libération à relayer ses propos, c'est le budget le plus généreux que le Sénégal ait jamais connu. La Tribune, quant à elle, s'intéresse à la visite chez le Khalife des Mourides, Khalifa maire socialiste de Dakar, mouvance présidentielle, sollicite la clé du plein à Touba. Dans sa rubrique En vérité, le journal Enquête s'entretient avec le ministre de la Jeunesse, Mambeynia, qui estime que Macky a raison de se fâcher. Nous avons déjà annoncé le défaut d'engagement de certains responsables face à l'agression que notre parti, notre régime et notre leader vit au quotidien. Une certaine élite est pervertie pour des raisons que nous connaissons, dit le ministre. Prévenant contre le terrorisme, le Populaire donne les trois dimensions sécuritaires du Magal. Le journal donne la parole à Serigne Ousmane Mackey, coordinateur des comités d'organisation du Magal, qui estime qu'avec des prières de Serigne Touba, il ne se passera rien. La sécurité des personnes et des biens revient exclusivement à l'État. Menace terroriste en perspective du Magal, Touba bancarisé, note le journal LAS. Pour terminer, Sud Quotidien, dans son grand angle, écrit « Quand les TV dépriment les enfants ». Le Quotidien parle de la vente des décodeurs de la télévision numérique terrestre TNT et informe que la société concessionnaire ATPS coupe le signal d'Escave, chargé de la mise en œuvre de la TNT. Escave a violé le contrat avec ses partenaires, révèle le journal. C'était tout pour la revue de presse du jour. Merci et à bientôt.